Nous allons maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bragos Barglazan, qui est diplômé de la faculté de médecine de l'université de Timișoara, qui travaille au sein du LUB depuis sa création et avant cela dans le laboratoire du CHU Bruckmann, puis Iris Lab. Au sein du LUB, il est désormais responsable médical du secteur Core Lab de notre centre d'activité Horta, au service de chimie, un excellent service, soit dit en passant, et il est également, au niveau du LUB, responsable médical de la biologie délocalisée, point of care testing pour les anglophones. Il est également membre du groupe POCT de la commission de biologie clinique, et comme vous l'avez deviné, c'est son sujet de prédilection, et il va nous parler d'un aspect important dans ce domaine, au niveau préanalytique. Merci, Drago. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je me référerai aujourd'hui à un sujet lié bien sûr à la biologie délocalisée et un sujet qui nous pose quand même des problèmes au niveau qualité et qu'on le voit dans la validation biologique. C'est pour faire un petit rappel sur cette problématique qui arrive souvent dans la phase préanalytique des analyses de biologie délocalisée. Et plus précis, je vais vous en parler de l'impact de la phase préanalytique sur les analyses des gaz du sang. Un demain où je travaille ensemble avec ma collègue Lydie Reynaud et ensemble on gère tout cet parc des appareils de biologie délocalisée pour tous nos hôpitaux partenaires. À partir d'une petite introduction pour localiser un petit peu la biologie délocalisée du point de vue légal et du point de vue de phase analytique, je vais insister sur toute une série de points problématiques, si on peut dire comme ça, de la phase préanalytique. Et par après, on va tirer les conclusions. Au niveau de la biologie localisée en Belgique, il faut savoir que le cadre légal, il est bien établi par rapport à l'activité dans les hôpitaux, où l'arrêté royal de 1999, qui a été corrigé par après en 2012, précise bien que toutes les analyses qui sont réalisées en dehors du labo central, mais dans les hôpitaux, reviennent sur la responsabilité du labo. La différence, bien sûr, c'est que par rapport à un test réalisé au labo central, les analyses ne sont pas réalisées au labo, mais directement dans les unités de soins, en proximité du patient, ce qui entraîne une responsabilité légale pour le labo pour se rassurer que les résultats sont de bonne qualité. Mais par contre, on a un défi, le fait que le personnel qui réalise toutes ces analyses ne tombe pas directement dans notre responsabilité. Et la gestion de ce personnel, elle est plus difficile et qui implique une bonne collaboration entre le laboratoire et le service clinique. Si on parle de phase analytique, aujourd'hui, je vais me référer uniquement à la phase préanalytique et je vais expliquer un petit peu après pourquoi on se réfère plutôt à la phase préanalytique quand on parle des analyses de biologie délocalisée. L'Organisation mondiale de santé, bon, donne une bonne définition finalement pour cette phase préanalytique en général, pas uniquement pour la biologie délocalisée, mais pour le laboratoire, qui commence au moment où le médecin décide qu'il a besoin d'un examen de biologie clinique, qui est concrétisé sur une demande, que ce sera une demande papier ou électronique, et que par après, le patient il va être préparé pour effectuer cette analyse, la prise de sang a lieu et le transport des échantillons vers l'appareil. Bien sûr, dans ces cas-là, la biologie délocalisée, le transport étant très court, l'appareil il se retrouve soit à côté du patient, soit dans la proximité, dans l'unité de soins. On va parler aujourd'hui plutôt des analyses des gaz du sang. Et dans la pratique, c'est vrai, toujours dans les unités de soins, on entend à gauche, à droite, il faut faire un pH, il faut faire un gaz du sang. À savoir que oui, ces analyses servent bien sûr à évaluer l'état respiratoire et métabolique du patient.
dans toute une série de pathologies respiratoires, que ce sera des pathologies aiguës ou chroniques, peut-être dans l'asthme par exemple, un suivi de pression partielle d'oxygène, dans toutes les situations où le patient va commencer à hyperventiler, évaluer son état respiratoire. Et bien sûr, à l'heure actuelle, pour les patients Covid, ce sont des examens très importants pour le suivi, que ce sera aux urgences ou aux soins intensifs. Mais le terme général, gaz du sang, finalement, correspond peut-être pas très bien à la réalité du terrain, on va dire, vu que les appareils actuellement, ils font tout un panel de 17 paramètres qui sont repris ici dans un petit tableau, donc avec les électrolytes, les métabolites et toute la partie co-oxymétrie. Et ça, sur un parc d'appareils à l'heure actuelle, dans nos hôpitaux partenaires, on compte 40 appareils, avec plus ou moins 2 millions de tests sur l'année et des tests réalisés avec un tout petit volume de sang à partir de 65 microlitres qui peut varier finalement en fonction du type d'appareil jusqu'à 150 microlitres. Les erreurs préanalytiques, d'après les études qui ont été faites finalement, on arrive à un pourcentage assez élevé sur le total des erreurs du laboratoire et il compte entre 60 et 70% en fonction des études qui ont été réalisées. Et c'est pour ça aussi que pour les analyses de biologie délocalisée, je vais parler de ces erreurs préanalytiques qui peuvent arriver à la fois au niveau d'identification patient. Et ça, dans la pratique, on le voit avec des erreurs d'identification patient, des inversions entre deux patients qui peuvent bien sûr entraîner une prise en charge tout à fait erroné pour ce patient-là, avec des effets peut-être très graves finalement sur le patient si on prend une mauvaise décision clinique par rapport à ce patient. Bien sûr, il y a un impact aussi financier. Oui, les résultats ne vont pas être tracés dans le bon dossier et la facturation associée ne sera pas au bon patient. Une deuxième situation où l'identification patient n'est pas correcte, finalement, on la retrouve dans la pratique, c'est l'absence d'identification. Dans des cas bien précis qui arrivent plus souvent au niveau des urgences ou dans les services, dans les salles d'accouchement pour les nouveau-nés, où l'identification patient n'est pas encore dans le système au moment où la demande de médecin pour faire un gazo arrive. C'est une situation assez spécifique où, de nouveau, les résultats ne sont pas intégrés dans le dossier du patient. De nouveau, il y a un risque d'erreur si on regarde le résultat sur papier parce que l'identification n'est pas présente et on risque de se tromper et dire que oui, le résultat peut appartenir à un autre patient. Et troisièmement, ce sont des erreurs liées la prescription même, où le médecin a besoin que de 3 paramètres sur l'ensemble de 17 qui sont effectués par l'appareil, mais la personne qui va effectuer les tests, elle va lancer en fait le panel complet, et donc du coup, il y a cette discordance qui va poser des problèmes au niveau des facturations entre la concordance entre demande et analyse réalisée, notamment facturation et remboursement INAMI. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution, bien sûr, pour toutes ces problématiques d'identification patient? Bien sûr, dans ce cadre, ça peut aider en fait la prescription électronique, où on sait exactement ce que le médecin a besoin en termes de paramètres et un lien direct entre la prescription électronique et les appareils qui permet de réaliser ou communiquer uniquement les résultats qui sont vraiment nécessaires pour le suivi ou la prise en charge du patient. Deuxièmement, toujours au niveau de la phase préanalytique, quand on parle des analyses de gaz du sang, c'est la prise de sang même. Et là, on retrouve plusieurs situations. Parfois, des situations où on se pose la question pourquoi, finalement, ils arrivent dans la pratique, notamment le mauvais matériel de prélèvement. On a eu déjà des situations où le médecin, il demande « Ah oui, prends une seringue pour faire un gaz du sang » et la personne, finalement, à la place de prendre le bon type de seringue spécifique pour le gaz du sang, il utilise une seringue habituelle sans anticoagulant, avec bien sûr un risque des micro-caillots, des caillots finalement qui se forment dans la seringue, avec toute une problématique technique déjà pour risquer de bloquer l'appareil ou au moins d'avoir des mauvais résultats vu que cette micro-caillot peut rester bloquée au niveau d'un ou l'autre capteur.
lié au type de, à la prise de sang, la présence de bulles d'air, elle a un impact assez important, surtout sur la pression partielle d'oxygène. Donc, de nouveau, la prise en charge du patient par rapport à son état d'oxygénation et les échanges gazeux au niveau pulmonaire peuvent être mal interprétés. Et la présence de bulles d'air, qui ne devrait pas arriver, bien sûr, si les procédures sont bien respectées. Il y a des études qui ont été faites pour montrer un petit peu les différences qui peuvent arriver en fonction de pression partielle. Ici, c'est un petit graphique qui, en fonction de la concentration d'oxygène, on va dire, réelle du patient, ils ont injecté dans le même prélèvement une quantité de 20 ou 40 microlitres de l'air ambiant pour voir l'impact avec une différence qui peut varier entre 10 et jusqu'à 30 millimètres mercure qui peuvent entraîner bien sûr des prises en charge tout à fait différentes par rapport à l'oxygène qu'ils vont administrer ou pas aux patients ou les débits d'oxygène. Et on arrive à la partie hémolyse, toujours liée au prélèvement. Hémolyse, on voit peut-être assez souvent, on la détecte plus souvent peut-être dans la validation biologique aussi de ces résultats de gaz du sang. Hémolyse qui arrive à la fois au niveau du prélèvement même, où la prise de sang elle est faite très très vite, vu que la demande est urgente des médecins, les infirmières sont pressées, ils vont aspirer très vite le sang dans la seringue et qui entraîne une hémolyse. À la fois l'hémolyse qui peut arriver spécifiquement pour les patients pédiatriques lors d'un prélèvement capillaire au niveau périphérique, ils vont comprimer trop fort en fait le site de prélèvement et ils vont entraîner aussi une hémolyse. La difficulté bien sûr pour l'hémolyse, c'est le fait qu'elle n'est pas à l'heure actuelle détectable par les appareils de gaz du sang par rapport au laboratoire où les analyses on les fait sur plasma et qui nous permettent d'estimer l'état d'hémolyse de notre échantillon. Ici, sur son total, malheureusement, la technique actuelle ne permet pas. Il y a apparemment des études qui sont en cours pour permettre une détection d'hémolyse, même dans le sang total, pour les appareils de gaz du sang, mais on ne les a pas encore sur le marché. Dans les graphiques, on voit quand même ces différences qui peuvent varier en fonction de l'état d'hémolyse, ça peut arriver jusqu'à 30-40% de différence, en tenant compte que les critères d'acceptabilité sont très restreints, l'erreur totale acceptable de 1,8% ou ceux qui sont imposés aux États-Unis par CLIA de 0,5 mmol par litre, ils sont vite dépassés en cas d'hémolyse. Est-ce qu'il y a des solutions pour toutes ces problématiques au niveau du prélèvement? Bien sûr, bon, déjà pour la prise de sang au niveau d'utiliser bien sûr la bonne seringue éparinée. Deuxièmement, pour les bulles d'air, bien respecter la procédure d'éliminer les bulles à travers du bouchon spécifique. Et en plus, la technologie là peut nous aider. À l'heure actuelle, oui, les appareils ils ont quand même une détection de la présence des micro-caillots ou même oui, des caillots qui bloquent finalement l'aspiration convenable de l'échantillon. Et aussi la présence des bulles d'air. En donnant cette information sur le rapport imprimé pour le médecin, comme ça, ils peuvent savoir que finalement le résultat, il est interprétable, mais avec caution, et qu'un nouveau prélèvement s'impose. Pour la partie hémolyse, malheureusement liée à la prise de sang, comme je dis, pour l'instant, il n'y a pas de techniques qui peuvent nous détecter cette hémolyse au niveau des appareils de gaz du sang. Mais un mélange d'échantillons, oui, qui n'est pas bien fait, peut entraîner aussi une hémolyse. Je vais parler un petit peu plus tard de cet aspect. En fonction des types de prélèvements qui est utilisé, normalement pour les gaz du sang, on parle toujours d'un prélèvement artériel. C'est le prélèvement artériel, c'est lui qui est demandé le plus souvent pour évaluer la pression partielle d'oxygène, notamment pour les patients. Il y a toute une série d'erreurs prénalytiques qui peuvent arriver à ce niveau-là, notamment la contamination par du sang veineux. Ici, c'est juste un petit exemple où quelques gouttes de sang veineux entraînent déjà une différence de 10 mm mercure pour le PO2. Vu la proximité d'artère-veine, ça arrive dans la pratique qu'il y aura des contaminations artério-veineuses. Et deuxièmement, un autre point important pour le prélèvement artériel est que dans la pratique, on ne tient pas toujours compte. Malheureusement, côté labo, on ne sait pas le savoir et c'est une information qu'on doit passer aux opérateurs pendant les formations. C'est que l'interprétation de PO2
suite à l'implémentation donc, de l'oxygénation du patient ou des changements de débit d'oxygène, ne doit pas se faire directement. L'analyse doit se faire à un délai de 15 minutes, d'après les autres études, 20 à 30 minutes, pour stabiliser en fait, les concentrations d'oxygène dans le sang du patient. Du coup, l'erreur, bien sûr, c'est au niveau d'interprétation. Si le premier prélèvement va être fait immédiatement après le changement de débit, et par après, il y a un suivi qui va démontrer une différence où le médecin va dire « Ouf, on doit faire attention, ça augmente trop, ils vont modifier le débit, même que peut-être que ce n'était pas nécessaire parce que lors du premier prélèvement, la concentration d'oxygène n'était pas encore stable dans le sang du patient. » Pour le sang veineux, là, la contamination, c'est plutôt avec des solutions de perfusion. Et sur un autre slide, je vais présenter plus en détail ces possibles contaminations. Par contre, le sang veineux, normalement, la pression partielle d'oxygène n'est pas recommandée comme un paramètre à suivre pour l'état d'oxygénation du patient. La différence, oui, artériel-veineux peut nous donner une indication, mais c'est uniquement le prélèvement artériel qui doit être utilisé vraiment pour l'interprétation de pression partielle d'oxygène. En capillaire, bien sûr, prélèvement spécifique pour les cas pédiatriques, on a la plupart du temps une contamination avec du liquide interstitiel. Et lors des formations, on constate que cette information n'était pas parvenu avant que nous on avait donné cette information. Ce n'était pas connu nécessairement par toutes les infirmières, le fait que la première goutte de sang doit être enlevée avant de faire l'analyse. Et oui, cette contamination, effectivement, peut avoir un impact autant bien sur le potassium, mais une dilution aussi, peut-être surtout les paramètres qu'on va mesurer par après. Du coup, pour le suivi respiratoire, notamment parce qu'on parle des gaz du sang, la recommandation, c'est de chauffer en fait, l'extrémité pour rapprocher les valeurs de valeurs artérielles. Ce n'est jamais les mêmes valeurs, bien sûr, qu'une prise de sang artérielle, mais ça nous permet en fait, d'avoir une meilleure idée finalement, de la concentration d'oxygène. De nouveau, une étape qui n'est pas toujours respectée et qui peut entraîner des décisions médicales pas correctes, on va dire, pour le patient, le cas échéant où un des opérateurs va bien artérialiser l'extrémité et l'autre pas. Le dernier cas, on va passer assez vite peut-être, sont les cas spécifiques de la salle d'accouchement, le prélèvement au niveau du cordon fœtal, où de nouveau, c'est aussi pas une contamination nécessairement, mais plutôt une erreur au niveau du prélèvement entre artère et veine peut arriver. On les a vus déjà dans la pratique, vu la proximité des artères et des veines au niveau du cordon fœtal. Parfois, ils se trompent, ils vont noter que c'est le prélèvement artériel, mais en fait, c'est le prélèvement veineux. Et ça, pour l'interprétation, ça pose de nouveau des problèmes, vu que ces prélèvements, les deux artériels veineux sont demandés par le médecin pour faire une différence entre une acidose respiratoire qui arrive normalement pendant l'accouchement et une chronique, on va dire, de longue durée plutôt métabolique qui est liée à des problèmes des échanges gazeux au niveau placentaire. Effectivement, à ce moment-là, la prise en charge sera différente et si les erreurs ici ils arrivent, l'interprétation ne sera pas correcte. On parle quand même aussi de transport et conservation, malgré le fait que l'analyse s'est faite dans l'unité, s'est faite tout près du patient pour les analyses des gaz du sang. Il y a quand même des situations où une analyse des gaz du sang elle est demandée dans une unité qui ne dispose pas de ce type d'appareil. Et là, c'est important, bien sûr, de faire passer le message qu'un délai maximal, d'après la littérature, de 30 minutes, est accepté pour les seringues éparinées et 10 minutes pour les capillaires. Par contre, notre recommandation, c'est toujours, bien sûr, de faire l'analyse le plus vite possible pour éviter toute possible contamination avec l'air ambiant. Il faut savoir qu'au niveau du transport, ce qui arrive dans les hôpitaux, c'est un transport par voie pneumatique aussi. Et ça, dans les prélèvements artériels, ça pose vraiment des problèmes parce que lors du transport pneumatique, il y a toute une série d'arrêts du tube qui entraînent la production de bulles d'air dans l'échantillon, qui vont contaminer l'échantillon.
Au niveau des stabilités, finalement, des paramètres, à part le délai qui a un impact sur toute une série de paramètres, notamment comme la glucose, la production des lactates, vu qu'on a toutes les cellules, globules rouges, globules blancs, qui sont présents dans l'échantillon. Il y a bien sûr un aspect aussi des contaminations avec l'air ambiant. Les seringues utilisées actuellement sont des seringues en plastique, qui ont une certaine perméabilité, même qu'elle est réduite. Si le prélèvement va traîner trop longtemps, il y a quand même un risque de contamination, même avec l'air ambiant. Au niveau des températures de transport, dans la littérature, on trouve toute une série de recommandations pour dire oui, pour mieux conserver en fait, nos paramètres et les valeurs de nos paramètres, on peut envoyer le prélèvement sur glace. Les recommandations actuelles, c'est de ne pas le faire en cas de seringue en plastique, mais uniquement en cas de seringue en verre. Dans nos hôpitaux partenaires, on n'utilise pas de seringues en verre, et ça plutôt à cause des risques, oui, qu'ils se cassent et un risque pour l'opérateur. Et deuxièmement, le problème avec mettre le prélèvement sur glace, c'est par rapport à l'hémolyse qui peut être entraînée à ce moment-là, et aussi une perméabilisation du plastique finalement vis-à-vis de l'air ambiant et une contamination plus importante avec l'air ambiant. Il y a des études qui ont été faites par rapport à ça pour démontrer cet effet. Oui, mettre sous glace pourrait en avoir effectivement cet effet positif sur une diminution en fait, au niveau métabolique et une meilleure conservation au niveau de la glucose mesurée, l'acide lactique et le CO2, la production de CO2, mais avec les autres effets indésirables qui peuvent arriver sur les autres paramètres. Quelques exemples, effectivement, qui démontrent ici les différences qui peuvent arriver déjà au niveau du temps de transport. Ici, c'est l'exemple des glucoses à une heure avec des différences qui peuvent arriver jusqu'à 10%, ou au niveau des températures qui démontrent effectivement que oui, sur glace, ils sont mieux conservés, mais comme j'ai déjà dit, cet avantage, malheureusement, il est en détriment des autres paramètres qui peuvent être faussés à ce moment-là. Au niveau de l'homogénéisation, c'est un autre aspect très important dans la phase préanalytique et qui n'est pas toujours très bien respecté par les opérateurs. Il y a toute une série de recommandations, notamment quand on parle des seringues ou des capillaires, bien les mélanger dans deux plans, aussi bien vertical qu'il faut les rouler, en fait, soit entre les doigts, soit entre les palmes. Comme ça, on assure un bon mélange, à la fois pour la partie anticoagulant, être sûr que l'héparine qui est présente dans les seringues elle est bien mélangée avec l'échantillon, avec moins de risque de formation des caillots. Et il y a à l'heure actuelle aussi des seringues qui présentent une petite bille métallique qui sert aussi à un meilleur mélange de l'échantillon, avec des autres risques associés et que je vais en parler par après. Les conséquences, effectivement, d'une mauvaise homogénéisation sont, bien sûr, la formation des micro-caillots, et ça, j'ai déjà discuté avant, avec le risque que l'appareil sera bloqué, inutilisable par après, pendant une période peut-être assez importante en fonction de la réactivité du service biomédical qui peut intervenir pour réparer l'appareil à ce moment-là. Le risque d'hémolyse peut être lié aussi à un mélange très agressif finalement de l'échantillon, et ça on l'a vu déjà dans la pratique, plusieurs situations dans lesquelles le médecin se pose la question, oui mon potassium il est élevé, l'assistant m'a bien confirmé qu'il était bien prélevé, qu'elle n'a pas aspiré trop vite, mais en fait au niveau de mélange on apprend bien que cet échantillon était vraiment bien sécué pour être sûr qu'il est bien mélangé. À part ça, toujours au niveau de l'homogénéisation, il y a une sédimentation des globules rouges qui peut arriver si le prélèvement traîne. Dans la pratique, on ne le voit pas très souvent, cette situation, mais on l'a constaté dans certains services, en cas où le personnel, on va dire, n'est pas suffisant, surtout pendant la nuit, et qu'il y a une urgence qui intervient au moment que le prélèvement a été fait, le prélèvement traîne sur la table, et par après, il n'est plus mélangé avant l'analyse. Donc, du coup, en fonction de la zone où le prélèvement va être fait par l'appareil, en fonction de la profondeur avec laquelle la seringue va être
mis au niveau de la sonde d'aspiration. S'il aspire plus dans la zone de sédimentation des globules rouges, l'hémoglobine sera faussement élevée. Sinon, si c'est plutôt dans la zone où il y a plus de plasma, l'hémoglobine sera fortement bas, avec un impact, bien sûr, sur la prise en charge du patient. Le médecin va s'enquêter, qu'est-ce qui se passe, il a des saignements. Et finalement, c'était juste une erreur préanalytique. De toute façon, un deuxième contrôle sera demandé, donc de nouveau du temps perdu, on va dire, entre guillemets, pour le personnel. Et tout ça uniquement parce que la procédure préanalytique n'a pas été bien respectée. Comme solution, bien sûr, les firmes à l'heure actuelle, ils proposent un système de mélange automatique, et c'est pour ça que la petite bide que je viens de parler permet cette mélange directement au niveau de l'appareil. Même plus que ça, il y a des systèmes qu'on peut mettre pour des appareils qui n'ont pas cette module intégré, à part pour favoriser cette mélange standardisée. Comme ça, on sait bien qu'on élimine cette étape d'homogénéisation avant l'analyse, ces différences entre un opérateur ou l'autre. Il ne faut pas oublier, par contre, que cette homogénéisation doit commencer au moment du prélèvement même. Ça veut dire qu'on ne peut pas traîner le mélange jusqu'au moment qu'on arrive à côté de l'appareil. Il faut le commencer directement par un mélange manuel pour être sûr qu'au niveau de l'homogénéisation avec l'anticoagulant, tout est bien fait. La contamination peut arriver, comme je l'ai déjà dit avant, par les solutions de perfusion. C'est une situation qu'on arrive assez souvent dans la pratique et on le voit sur nos résultats qu'on valide au laboratoire, dilution par des solutions glucose ou isotoniques, avec un impact, oui, sur la mesure de sodium, chlore ou glucose. Recommandation, c'est d'éliminer au moins 3 fois le volume du cathéter avant de faire le prélèvement. Le personnel, parfois, ils ont dans la tête un volume, mais au niveau des cathéters, il y a des différences. Les volumes peuvent varier avec un impact sur les résultats. Ici, c'est un exemple d'il y a 2 jours où, au niveau de la glycémie, on avait des valeurs qui dépassaient la valeur des mesures de l'appareil avec une dilution sur tous les autres paramètres. Bon, c'est une situation assez facile à voir. Dans l'unité de soins, ils vont se poser directement la question, ils vont réagir tout de suite. Il y a des situations qui ne sont pas assez facilement visibles avec une glycémie plus élevée, mais chez un patient diabétique qui est autour de 150 et il arrive à 300, il se pose la question, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un souci avec la glycémie du patient? Ils vont même peut-être prendre déjà des décisions médicales pour diminuer la glycémie et ce n'était pas vraiment nécessaire. Contamination avec des anticoagulants différents que l'héparine qui est présent dans la seringue, ça arrive parfois. On a eu des situations au niveau des prélèvements pédiatriques où ils se sont dit oui, mais ça, c'est très difficile à piquer. Ils se sont dit oui, ok, on fait un prélèvement pour le labo pour l'hémato. Pourquoi pas prélever un petit peu de sang pour faire un gazo dans le tube d'éther. Effectivement, la contamination est évidente avec le potassium. Et au niveau du calcium, même chose pour le tube citraté, on a eu la même situation où ils ont dit « oui, on a eu déjà un tube, mais c'est difficile pour prélever encore. Bon, je vais faire ça pour le gaz du sang, malgré le fait qu'ils savent bien normalement que c'est une procédure inacceptable. » L'héparine, ça arrive moins souvent à l'heure actuelle qu'il y a quelqu'un qui se pose la question d'utiliser une héparine liquide dans une seringue classique. C'était le cas avant, mais ça arrive trop rare maintenant, avec un risque de dilution, et pas uniquement dilution. Les héparines utilisées dans les seringues héparinées sont des héparines équilibrées au niveau des ions et surtout de calcium. Et à ce moment-là, ça permet une mesure correcte du calcium. Autrement, l'héparine va lier quand même le calcium à des concentrations élevées et va avoir un impact négatif sur la mesure de calcium. En conclusion, le respect finalement de toute cette procédure préanalytique permet une bonne finalement prise en charge du patient et éviter des situations peut-être même dramatiques au niveau médical avec des décisions qui peuvent entraîner des difficultés pour le patient, des complications assez sévères. Mais pour assurer en fait toute cette phase préanalytique qui sont bien respectées, bien sûr un suivi doit être fait et vu que le laboratoire est responsable pour la qualité de ses résultats. De notre côté, on doit se rassurer que les formations sont bien données et intervenir dans toutes les situations où on constate finalement des erreurs préanalytiques pour faire des rappels et assurer une formation continue en fait, pour les utilisateurs. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci également pour cette belle présentation. Entre à gauche, y a-t-il des questions dans l'assistance ? Anne, il y a qu'il y a. Non, c'est tout à fait. Il y a des discordances entre l'hémoglobine du labo et l'hémoglobine du PECT. Je peux répéter parce qu'on n'a pas entendu dans le cours. Non, il a une. Je dis, parfois on a des discordances entre l'hémoglobine réalisée en hémato et l'hémoglobine POCT. Enfin, en dehors de ce que tu as donné comme exemple, mais j'avais lu que suivant les techniques, on pouvait effectivement avoir des POCT qui donnaient plus de discordances. Oui, il y a effectivement, en fonction du type d'appareil, il y a des biais qui sont bien connus, mais normalement, les biais ne dépassent pas 0,7 grammes par décilitre. Les problèmes préanalytiques interviennent quand même, et on les a vus avec une influence assez importante par rapport au laboratoire, comme tu viens de dire, différents même de 3-4 grammes. On a constaté dans la pratique, soit lié à dilution, soit un prélèvement qui a traîné. Pour les cas pédiatriques, on les voit plus souvent au niveau des prélèvements capillaires. Et là, c'est plutôt la dilution par du liquide interstitiel. Donc pour les capillaires, c'est vrai que c'est plus souvent dans la pratique. Pour les adultes, moins souvent par la dilution, mais plutôt, oui, un mélange qui n'est pas très bien fait et des prélèvements qui parfois traînent malheureusement sur la table, malgré le fait que la recommandation, c'est de les faire tout de suite. Le moment du prélèvement, bien sûr, est différent aussi. Ce n'est pas nécessairement en même temps qu'il prélève le gaz du sang et la prise de sang pour le labo. Et c'est plutôt, oui, au niveau des prélèvements qui se font côté perfusion. Donc ça, on les a vus assez souvent. Et on constate des différences aussi parfois au niveau de la chimie à ce moment-là. Il y a une question en ligne qui est avez-vous validé le transport des seringues CEF-PICO par un système pneumatique ? Le transport, oui, par le système pneumatique, effectivement, il y a plusieurs études. Nous, on ne l'a pas validé déjà, mais il y avait toute une série d'études qui démontrent que pour une prise de sang artérielle, pour le suivi de PO2, ce n'est pas recommandé. Globalement, donc, tu nous as bien montré qu'il est... Les sources d'erreurs préanalytiques sont très nombreuses, hein, depuis l'identification jusqu'à l'acheminement au laboratoire avec toute une série de problèmes. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'échantillons qui sont affectés par ce genre de problème ? Déjà, pour les problèmes d'identification, on a une meilleure idée, on va dire, de nombre des échantillons. On est autour de 6% qui sont mal identifiés. Soit inversion, bien sûr avec des corrections par après, soit une identification initiale qui manque et qui est corrigée par après. C'est déjà énorme, et oui. Encore tout reste après, effectivement. Oui. Bien, je vois encore une question en ligne. En parlant de contamination par le liquide interstitiel, en est-il de même pour les glucomètres ? On parle d'éliminer la première goutte, par exemple. Pour les glucomètres, les recommandations actuelles ne prévoient pas nécessairement d'éliminer la première goutte. Et là, l'influence, apparemment, sous la glucose n'est pas significative pour le liquide interstitiel. Ouais. Contrairement à l'hémoglobine, effectivement. Oui. Très bien. Merci beaucoup.